tout le monde, c'est la deuxième partie du test No More Heroes, un jeu sorti 14 mars 1998 en France. Et donc juste une petite annonce avant de commencer cette deuxième partie, c'est pour vous dire que je me suis commandé une SNES, enfin une Nintendo 64, et j'ai commandé avec GoldenEye 007, Turok 1, Turok 2, et tous les jours c'est un jeu du genre Star Fox, tout ça, parce que j'ai vraiment envie de les refaire et je regrette de les avoir vendus. J'en ai trouvé un pas cher, 45€ avec tous les jeux, 2 manettes, un chargeur, un pack, je sais pas trop quoi, il m'en avait plus trop. Donc voilà, je pense qu'à Noël vous aurez un petit test N64. Même avant Noël. Hein. J'en reçois pas dans pas long. Donc continuons notre test. Alors. Travis, tu te souviens de ces jours dorés à Calgary? Ok. La voix de la catch professionnelle que tu oublies depuis longtemps. C'est un infime phasement de la foussu du lutteur cool dans tes veines. De quoi? Putain. Souviens-toi de la première souplesse que ton maître t'a enseignée. Oui, c'est ça, les ténèbres perçantes, le tombeau de clé, de tête avant. Souvenir d'une souplesse longtemps oubliée. C'est bien. Bon, mais écoutez, on va se confronter au boss. Hein. Voilà. Il y a quelque chose là. Bon. Ben, c'est parti. Oh, ben c'est parti les mecs hein. Putain, on va se confronter. Ou plutôt attendez, faut que je me rappelle des touches. Hein? Oh ouais, attends. Alors toi, tu vas te calmer vite, Beth. Ok, d'accord. Tiens, prends ça. Putain. Ok, d'accord. Putain. Mais laisse-moi. Mais. Putain, elle m'a eu! J'y crois pas! Mais non! Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi? Tiens, vas-y, bouffe, putain!
Mais j'y crois pas, mais c'est quoi ce boss là? Ouais, bon, je tiens à dire que c'est que le premier boss, hein. Ouf. Ah ouais, j'ai vraiment perdu la main. Oh putain. Mon dieu. Mon dieu. Putain. Hein? Donc on peut loquer les ennemis. Putain. Tiens, vas-y, je vous dis l'esquive, moi. Putain. Le but dans chaque combat de boss est de bourriner. Logiquement, dans chaque salle, vous avez des petits trucs pour vous remettre de la vie dans chaque combat. Donc, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. Oh, je viens. Donc, surtout bourriner pendant les combats. Sauf que le dernier boss, vous n'avez pas de vie. Donc, dans le dernier boss, il faut faire vraiment attention. C'est très dur. Voilà. Oh, putain. Putain. Quoi? Mais je l'ai eu là. Voilà. Il invoque des folies, des clones. Putain. C'est qui le vrai là? C'est lui. Putain. Mais c'est de la triche. Mais c'est de la triche! Putain! Le tricheur! Mais j'ai plus de batterie! J'ai plus de batterie dans mon sac, comment je fais? Comment on le recharge, putain? Mais... Tiens, vas-y. Putain! Comment on recharge le sabre? Ah merde, j'ai oublié, putain! Ouais, bon, ta gueule là! Putain! Putain! Bon! Je suis dans la merde, les mecs. Je suis dans la merde, les mecs. Je me bats avec un bout de bois. Putain. Comment on recharge le sabre? Mais. Putain. Mais. Tiens. Mais vas-y, ça me saoule. Mais comment on recharge? Mais. On peut pas recharger le sabre. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Partir? Putain! Mais putain! Putain! Vas-y! Putain! Comment on recharge? Je sais pas comment on recharge. Je sais pas comment on recharge. Putain. Coup de pied. Putain. Oh, ok, d'accord. Bon, attendez. Ouais, alors là, ça va pas le faire là. Ouais, ça va pas le faire. Putain, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Faut que je me casse d'ici. Ça va pas le faire, faut que je me casse d'ici. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Putain. Putain. Non. Ma gueule là. Ça y est, j'ai trouvé.
Putain, ça y est. Vas-y, qu'est-ce que tu veux là? T'as un souci. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie.